Permettre aux jeunes générations de découvrir les métiers du secteur agricole au Gabon, une initiative du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage en charge du programme Graines. Les vacances agricoles qui se sont déroulées du 6 au 31 août dernier à Libreville, la capitale, et sa périphérie, devaient permettre aux différents participants de se faire une idée assez concrète de ce qui se fait dans trois principaux sites, Siad Gabon, Ola Mawala, deux usines situées à un peu plus de 100 km de la capitale, et les maraîchers de l'Institut Gabonais d'aide au développement, quant à eux, localisés à Libreville. Première étape, Siad Gabon à Kango, dont l'activité première est la création et l'exploitation des plantations d'Eveya, une exploitation estimée à 2300 hectares. Soyez le bienvenu ici à Kango. Vous avez fait une longue route pour connaître Kango. Moi, je pense que c'est peut-être la première fois que vous êtes parti si loin à l'intérieur du pays. Mais vous voyez, ici, il n'y a pas de danger, il n'y a pas des animaux sauvages, il n'y a pas de serpents, il y a un terrain de foot et on a beaucoup de gens qui vivent ici. Quand vous mangez le chocolat, vous ne vous rendez pas compte que le chocolat vient quand même de l'Afrique et s'est transformé en Europe. Et après, ça revient ici pour le manger. Et le Gabon est même très connu, parce qu'on dit que le meilleur chocolat vient du Gabon. La même chose pour le caoutchouc. Le caoutchouc, vous ne connaissez pas trop, mais le caoutchouc vous a amené ici. Parce que sans les pneus sur votre bus, c'est clair, avec tous les pots et tous les nids de poules que vous avez vécu aujourd'hui, vous n'êtes jamais arrivé ici. Alors le caoutchouc naturel, c'est un produit très important. Et c'est aussi fait au Gabon. La société SIA Gabon a 4 différents sites dans le pays où on produit le caoutchouc naturel. Et le caoutchouc, c'est la sève des arbres que vous avez déjà vu aujourd'hui et que vous allez encore voir après avec la pépinière et les nouveaux plantings. Nous sommes là pour que les enfants puissent savoir qu'en dehors de la vie en ville, il y a une vie, la vie auprès de la terre. Vous êtes des jeunes, vous avez tout votre avenir devant vous, et dans le cadre de cet avenir que vous avez devant vous, l'objectif de vacances agricoles, c'est que vous sachiez que demain, quand il vous sera donné de choisir un métier, vous avez votre avenir dans l'agriculture. L'agriculture va vous permettre de gagner bien votre vie. Et il n'y a pas que les métiers d'informatique, il n'y a pas que les métiers de bureau, il n'y a pas que les métiers de comptable et tout ce que vous voulez, il y a les métiers de la terre. Là, par exemple, nous sommes ici, sur le site de SIAT, qui nous fait le grand honneur de nous accueillir. Ils se sont tous mobilisés, toute la société est mobilisée pour vous accueillir. Ça va être l'occasion pour vous de découvrir ce qu'on fait dans les champs, ce qu'on fait dans la transformation, comment, à partir de la sève de l'EVA, quand on saigne l'arbre, la sève coule, elle est récoltée, et elle se solidifie, et au fur et à mesure, on va vous expliquer quel est le processus de production. Il faut savoir qu'actuellement, lorsqu'on regarde les projections, donc ce qui est prévu dans le secteur de l'EVA, il est prévu que nous ayons un grand besoin d'un métier qui se fait ici et qui est un métier très important, c'est le métier de seigneur. Seigneur, ça ne veut pas dire le roi, non. Seigneur, c'est celui qui saigne les VA. Donc il y a un instrument qu'on va vous montrer, il faut apprendre à saigner. Et lorsque vous saignez les VA et que vous êtes un bon seigneur et que vous êtes un seigneur qui travaille, vous pouvez gagner très 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 bien votre vie. Cette première étape donc, qui a vu la participation d'une trentaine de jeunes, a été l'occasion pour la délégation de toucher du bois toutes les étapes de la récolte du caoutchouc. De cette texture-là. Vous voyez simplement, on ne va pas aller sur une terre, sur le sang.
On peut utiliser plusieurs matériaux. On peut utiliser du sable, on peut utiliser de la sciure du bois, on peut utiliser de la terre noire. Le matériau qui s'approuve, qui s'y est le plus à nous ici, c'est la sciure du bois parce que c'est ce qui est accessible le plus facilement. Du planting à la saignée, en passant par la mise en place d'une pépinière, le repiquage, le greffage, au démaillotage. Tous ces jeunes n'ont pas ménagé leurs efforts en mettant la main à la pâte. J'ai compris ce que mon collègue venait de dire. On venait de repiquer. La graine qu'on a mis en germoir, ça a germé, n'est-ce pas? On a mis dans le sac. Le sac, c'est ça. Ça a poussé. Ça a grandi. Tant mieux, faut le regarder, c'est les plants qui ont déjà juste 6 mois. Ils sont encore petits comme ça. Plus gros, c'est comme ça. Mais la taille, c'est comme ça. Donc ça, c'est... Les plants-là sont là depuis 2016. On a déjà fait le greffage. Ça, c'est des plants réussis qui sont là. Le greffage, c'est un métier. Les gens quittent des pays pour aller dans d'autres pays pour en faire de ça un travail. Donc, vous avez vu, là, elle a prélevé l'écorce. Il y a aussi le bois qui est collé avec l'écorce. Quand elle va enlever le bois, le greffon va rester collé à l'écorce. Et c'est cette écorce-là qu'on va greffer, qu'on va mettre là-bas. Greffer, c'est comme si on vient en colle. On colle et après on va mailloter avec un lien de greffage. Et c'est ce greffon-là, c'est ce qui va sortir après 21 jours. Donc vous allez voir comment elle va faire. Vous avez vu? Là, le bois, elle est en train d'enlever le bois. Voyez? Vous avez vu ici? C'est ce qui était... Ça, c'est la feuille. La feuille, c'était la feuille qui était ici collée. La feuille est tombée. Donc, vous voyez la partie là? Vous voyez ici? C'est là où il y a le greffon. Est-ce que vous voyez? Vous voyez, non? C'est la partie là où il y a le greffon. C'est cette partie-là qui est ici. Ça, c'est ce qu'on appelle communément simplement l'œil. Mais en français, c'est le greffon. En français scientifique, c'est le greffon. Tu montes ici, il faut que tu cales. Tu as vu? Là, c'est calé. Ça ne peut plus descendre. Maintenant, on a dit on commence à mailloter par le bas et on monte. Bravo, serre fort. Serre fort. Allez, fort. Et on a courage. Lola, 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 Lola. Oh, mais elle connaît, hein. Lola, waouh. Il faut serrer, il faut serrer. Serre, allez, très bien. Waouh, c'est bon. Vers le haut, vers, voilà. Voilà. Voilà, Lola. Maman, il faut préparer déjà une autre bande. Les voix, elles sont dures. C'est très bien, c'est très bien. Ah oui, là, c'est bien. Ah là, Lola, là, elle est experte. C'est une greffeuse. Ah ouais, non, elle est experte. Elle est experte. Lola, la greffeuse. Oh là là, très bien. Waouh. Ça va être là-bas. Waouh. Maintenant, on prend encore d'autres liens là-bas. Faut tirer la bande. Ça va aller, ça va aller. Ça ira, ça ira. Tire, tire. Oui. Faut tirer. Oh là là, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Du courage. Oui. En fait, ce point, on l'appelle point de collecte. Lorsqu'on sort la production de la pousse. Pour la dernière partie de la visite, il était question pour les participants de vacances agricoles de s'essayer à la saignée de l'arbre Eveya. Donc ici, vous avez une clé de collecte. Monsieur, il pose, on pèse et il verse là-dedans. Donc ici, nous avons une clé de collecte qui sert à regrouper la production du jour. Ici, nous avons une potence. Donc c'est ici qu'on accroche le panier avec une balance pour peser le caoutchouc du seigneur, sa production de la vie. En fait, le système est fait de telle sorte que Siad donne une partie de sa plantation à qu'on appelle Seigneur, n'est-ce pas? Et lui, on lui garantit de payer sa production. Donc chaque jour, il revient à la même place après 4 jours
pour récolter et le lendemain saigner pour revenir encore. Donc c'est un cycle de 4 jours. Sur ce, comme tâche, on appelle ça tâche à un seigneur, entre 800 et 750 bois par jour. Oui, ce n'est pas diabolique. Ils le font très bien, c'est-à-dire ils saignent. Notre intérêt est le suivant. Quand j'étais jeune, j'étais passionné de voir mes parents faire l'agriculture. C'est pour ça que je suis devenu agronome et c'est pour ça que je suis maintenant au Gabon en train de planter des plantations d'EVA. Alors, je pense que ça commence très tôt. Si tu veux devenir un grand footballeur, il faut commencer très tôt. Sinon, tu ne vas jamais réussir. Alors, moi, mon idée, avec le ministre de l'Agriculture, c'est d'inviter ces gens, quand ils ne sont pas à l'école, de venir passer les vacances quelques jours sur le terrain. Comme ça, ils voient autre chose que juste ce qu'ils ont vu dans un film ou dans le livre. Et on essaie de transférer cette passion pour l'agriculture, qui est quand même très important. C'est le métier le plus vieux du monde, et que les gens ici peuvent apprécier ça, peut-être choisir de devenir agronome, de devenir seigneur, de devenir planteur. Le rôle de l'agriculture, c'est de jouer ce rôle de secteur prioritaire de diversification, filière prioritaire de diversification, dans le PSGE, dans le plan de relance de l'économie, et faire en sorte que davantage de Gabonais adhèrent à cette nécessité de diversifier notre économie. Nous avons été pendant plusieurs semaines dans l'actualité de l'assainissement des finances publiques, avec les mesures de réduction de notre masse salariale, avec tout le message qui a été envoyé aux Gabonais que leur avenir n'est plus dans la fonction publique, en utilisant la fonction publique comme variable d'ajustement du taux de chômage, comme amortisseur social, mais que désormais notre attention devrait de se tourner vers les secteurs de l'économie productive. Ici, nous nous retrouvons avec des jeunes qui sont en vacances. Les vacances, ça veut dire qu'ils ne sont pas à l'école pendant cette période. Mais les vacances, c'est aussi l'occasion d'apprendre autre chose, de connaître mieux ici pour ces jeunes Gabonaises et jeunes Gabonais qui sont qui viennent de tous les horizons de notre pays, apprendre que notre pays est un pays de forêt, apprendre que notre pays est un pays de terre, une terre fertile sur laquelle tout pousse. Aujourd'hui, c'était très instructif parce que j'ai appris comment faire de l'EVA ou comment avoir une plantation d'EVA. J'ai pu remarquer les différentes étapes de la fabrication d'une plantation d'EVA, en partant de la graine au greffier jusqu'à le bois de l'EVA. Et j'ai appris aussi que l'EVA était une matière qui servait à fabriquer du caoutchouc et qui peut servir dans de nombreux domaines en ville, bien que ça se passe en forêt ou dans des milieux un peu reculés de la ville. Le secteur de l'agriculture, notamment l'EVA, peut avoir un grand impact dans l'économie du Gabon parce que si ce secteur est développé, il peut créer des emplois ou si ce secteur est vraiment développé, peut apporter un certain budget qui va soutenir l'économie du Gabon et ça pourra nous changer de la principale économie, du principal secteur qui est le pétrole. Donc ça pourra aider à remplir, on va dire, les caisses du Gabon et régler certains problèmes, créer des emplois, amener les jeunes, comme nous avons vu tout à l'heure, à essayer d'être plus proche de l'agriculture, du système agricole, de toutes les différentes choses qu'on peut faire en forêt ou en milieu un peu reculé de la ville. Après les plantations de Siak Gabon, direction le site de Lamawala, toujours à Kango, autrefois forêt devenue zone économique de 6821 hectares, répartie en trois zones d'exploitation, la Lobé, la Bokoué et le Komo, en référence au cours d'eau qui traverse cette plantation spécialisée dans la transformation de noix de palme en huile. Dans les andins là, ok. On va tout à l'heure là, vous avez expliqué le principe pour le régime. Suivez le régime. Vous avez choisi. Voilà, c'est là-bas. C'est bien là-bas. Deux filles, deux garçons. Est-ce que tu as tout aujourd'hui? Là, on ne fait pas de même pas. C'est dommage.
Une occasion particulière pour la vingtaine d'élèves présents de découvrir l'un des secteurs clés de l'agriculture au Gabon, décrit comme un modèle de réussite dans le processus de développement socio-économique du pays. Lorsque nous avons les détachés sur le sol, ok, mais dans le cas typique, là où nous sommes présentement, nous n'avons pas les détachés au sol, mais sur le régime, nous avons déjà des noix qui se sont complètement détachées de notre régime. Vous pouvez voir ici, au niveau du bout du régime, si vous touchez, vous avez quelques noix que vous pourriez simplement enlever. D'accord? Donc, ce régime-là est considéré déjà comme étant un régime mûr. Quand on procède à la récolte, on doit supprimer certaines branches et d'autres qu'on devrait certainement conserver. Mais ici, le problème qu'on a ici, c'est que ces branches-là ne sont plus dans un état normal. Comme vous pouvez regarder au bout, elles sont déjà complètement amochées. Donc, ces branches-là ne peuvent plus réellement jouer le rôle de la photosynthèse. Donc, il a coupé la première branche, vous voyez, à fleurs. La seconde, à partir d'ici, nous ne pouvons pas déjà voir le pédoncule. Donc là, ce régime-là, on ne peut pas l'extirper, on ne peut pas le couper. D'accord? Donc, il va couper la deuxième branche pour permettre à ce que nous ayons une meilleure vue de notre pédoncule. Daniel, okay. Maintenant, par la suite, ok. Donc la deuxième branche est coupée à fleur également. Pourquoi est-ce qu'on coupe ça à fleur? On coupe ça à fleur pour éviter que nous ayons ce qu'on va appeler en fait des pièges, des poches. Ok, ces poches-là, lorsque les noix qui sont sous le régime vont tomber, il ne faudrait pas que ces noix-là s'infiltrent. Ce sont des pertes que nous enregistrons. Or, pour nous, lorsque nous sommes en plantation, nous voulons maximiser la récolte. Donc, il ne faudrait pas qu'on ait des détachés qu'on perde. Il ne faudrait pas qu'on ait des détachés qui s'infiltrent au niveau des poches. Il faudrait qu'on récolte au maximum. D'accord? Voilà pourquoi est-ce qu'on coupe à fleurs. Et la deuxième chose, c'est pour nous permettre de pouvoir mieux apprécier notre pédoncule afin de pouvoir le couper de manière convenable. Donc ici, vous devrez simplement comprendre que le pédoncule, d'accord, c'est cette partie qui relie la grappe elle-même, donc le régime lui-même, à l'arbre, d'accord. C'est la connexion entre l'arbre, d'accord, et entre le tronc et la grappe, d'accord. C'est cette petite partie-là qui se trouve. Lorsque le régime sera au sol, on vous présentera clairement ce qu'il en est. D'accord, donc pour atteindre le régime, il n'est pas utile de vouloir le couper de toutes parts. C'est simplement de cibler le pédoncule. D'accord? Tous les palmiers ne sont pas orientés dans le même sens. Vous devrez apprendre qu'il y a deux types de palmiers. D'accord? Il y a des palmiers qui sont orientés du côté gauche. Il y a des palmiers qui sont orientés du côté droit. D'accord? Donc, le challenge lorsque vous venez faire la récolte, c'est d'identifier de quel côté est orienté notre pédoncule. Et lorsque l'on sait l'orientation ou le sens d'orientation du pédoncule, il nous sera facile d'adopter la meilleure position afin d'atteindre le régime plus simplement. D'accord? Donc, s'il avait occupé une mauvaise position, vous verrez que jusqu'à présent, il est encore en train de se battre avec ce régime-là. D'accord? Donc, pour ceux qui auront à faire la démonstration plus tard également, c'est ceux que vous aurez à vous appuyer là-dessus. Certains me posent la question ou se posent la question de savoir quand est-ce qu'un palmier est droit, d'accord, ou est orienté à droite ou à gauche. Pour le faire, on a simplement à se saisir de l'orientation des régimes. D'accord? Si nous considérons cette branche, à l'aisselle de chaque branche ou de chaque feuille, il y a possibilité de formation d'une seule fleur. Ok, donc à l'aisselle, c'est cette partie. Si vous regardez le corps humain, vous trouverez que l'aisselle, c'est ici, d'accord? Et également, l'aisselle de cette branche, c'est l'angle créé par le tronc et la branche, d'accord? Donc à cet endroit, il ne peut avoir que possibilité, une seule possibilité, une seule fleur. La fleur peut être mâle, d'accord? Ou elle peut être femelle. Donc si elle est femelle, bien entendu, elle va nous donner des fleurs, elle peut nous donner un régime. Ok? Donc, pour regarder le sens, vous avez simplement à vous orienter, que ce soit sur les fleurs, vous suivrez les fleurs mâles, les voici, ou vous suivrez le sens des fleurs femelles, qui parfois sont plus difficiles à trouver sur le palmier. Vous avez vu tout à l'heure, il a coupé le régime
nous avons vu, nous voyons toujours que nous avons notre pédoncule qui est toujours présent. Ok? Ces pédoncules-là, lorsque ces régimes-là sont amenés à l'usine, lorsqu'on passe les régimes à la machine, ok? Ces pédoncules-là, une fois broyés, ça va se former comme sous forme d'éponge. Ok? Donc, l'huile qu'on va extraire de notre noix ici, cette huile-là va être absorbée par ces pédoncules-là. Donc, en plantation, qu'est-ce qu'on doit faire pour éviter que nous ayons ces pertes-là? Il faut que nous puissions réduire la longueur de notre pédoncule. Ok? Donc, il faut au minimum 3 cm. Au-delà de 3 cm, ce régime est considéré comme étant un régime à long pédoncule. Donc, l'exercice qu'il va faire, c'est de réduire la taille de notre pédoncule pour nous permettre de pouvoir maximiser la quantité d'huile à produire à l'usine. Maintenant, on va classer les branches parce que dans une plantation normale, les standards aussi en termes d'entretien sont également aussi à respecter. Donc, les branches qu'il a coupées, il doit les classer convenablement. Voilà. Donc, cette partie-là va être considérée comme étant notre espace de travail. Pas seulement pour nous les récolteurs, mais aussi pour ceux-là qui viendront faire d'autres activités. Il s'agira de qui? Il s'agira de la personne qui viendra faire la fertilisation, l'épandage d'engrais. Il s'agira de qui? Il s'agira de la personne qui viendra faire le traitement herbicide. Vous voyez comment c'est propre? C'est le traitement chimique qui a fait ça. Donc quand on délimite ça, c'est pour permettre de pouvoir rentabiliser l'utilisation des pesticides, des herbicides, pour qu'on n'ayons pas à pulvériser n'importe où. Il faudrait qu'on ait un endroit bien circonscrit. Une expérience que certains ont voulu vivre en prenant le taureau par les cornes. Depuis le matin, on a appris les principales activités que Olam organise, par exemple dans la fabrication de la palme à huile. Donc on est venu visiter leur chantier où on a trouvé des palmes, des grappes de palmes. Ils nous ont expliqué les caractéristiques de ces palmes et comment faire pour les recueillir, les récolter en fait. Parce que c'est une activité quand même assez rémunérable, puisque on est situé d'abord dans une région tropicale et les palmiers à huile, ça ne manque pas. Donc facilement, on peut maximiser la production et permettre un meilleur devenir de l'économie gabonaise. Donc nous on va lui donner quelques rudiments pour qu'il puisse, ok? Et puis il ne faut pas que tu vises les messieurs là-bas. Là. Ok, donc, quel est ton plan avec comme la travail? Droit? Droit avec lequel il a plus de temps. Ok, donc, tu vas te présenter comment? Avec les bras droits. Tu ne peux pas. J'en ai tout sec. Je vais te voir si tu laisses là. C'est toi qui passe. Je t'ai choisi. Il y a un bon régime là-bas. D'accord. Qui était là-bas? Qui était là-bas? Tu dois bien pencher ton truc. Ok? Voilà. Justement, on ne peut pas nous jeter ça ici. Non. Tu fléchis les gens. Fléchis, regarde. Fléchis un peu le corps. Hein? Comme le lancer du javelot. Le javelot. Le javelot. Fais attention, ne nous cassez pas les fruits. C'est les fleurs. Avalez. Ce matin, nous avons reçu la visite d'une délégation qui nous revient du ministère de l'Agriculture dans le cadre du projet Vacances agricoles. Donc nous avons pu travailler avec ces jeunes pour leur montrer exactement ce que nous savons faire au niveau de notre industrie, partant de la plantation, les activités que nous faisons. Et aujourd'hui, nous avons particulièrement travaillé sur l'activité de la récolte. Bon, pour dire d'abord, la plantation de palmiers à huile, nous la commençons d'abord par, premièrement, l'établissement de la préparation des terrains. Okay? Ensuite, nous avons l'établissement des pépinières qui passent 12 mois, donc sensiblement un an. Et par la suite, nous procédons aux activités de mise en terre des plants et nous attendons sensiblement à partir de 3 ans où nous commençons déjà à pouvoir effectuer les premières récoltes. Et pour le site d'Awala particulièrement, nous sommes déjà depuis 2012, nous sommes déjà aujourd'hui à 6 ans d'exploitation et donc nous avons déjà plus d'une grande partie de notre plantation qui est déjà rentrée en phase de production.
Pour la récolte, il faudrait dire que la récolte, nous avons les standards que nous définissons qui nous permettent de pouvoir déterminer à quel moment nous pourrions déjà procéder à la récolte. Et ce matin, nous avons vu avec les enfants que la récolte est possible lorsque nous avons déjà les régimes qui sont déjà mûrs, mais avec la présence déjà des fruits détachés. Donc ce matin, nous avons fait quelques exercices au niveau de la récolte et montré exactement quelles sont les procédures qu'il faut réellement respecter. Pour d'autres produits que la consommation. Après ces deux étapes en périphérie de Kango, Vacances Agricoles prendra la direction de l'Institut Gabonais d'Aide au Développement afin de permettre aux participants de la première édition de cette initiative du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage en charge du programme Graines de se faire une idée concrète de l'agriculture maraîchère.